Hey, salut YouTube, c'est Kagiombre, j'espère que vous allez bien. Dans la dernière vidéo, nous avons fini d'affronter les boss du chapitre 2 sur l'excellentissime Black Myth Wukong et on joue sur PS5. Nous avons lutté contre le boss du chapitre 2, il faut le dire, il n'était pas facile, il m'a donné du fil à retordre, mais nous avons fini par le battre avec succès. Nous allons maintenant nous attaquer au boss du chapitre 3. En vous montrant les points de vue avec la méditation, les cinématiques et les rencontres avec les différents personnages pour pouvoir suivre l'histoire du chapitre 3. Je vais vous indiquer aussi le nombre de morts que j'ai eu en affrontant chaque boss. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires quel boss du chapitre 3 vous a mis le plus en difficulté. En tout cas, n'oubliez pas le pouce bleu si la vidéo vous plaît. Place maintenant au chapitre 3 de Black Myth Wukong! Allez, place au chapitre 3, c'est parti. De toute façon, on peut revenir à n'importe quel chapitre à tout moment. Chapitre 3, neige blanche, manteau de glace. Eh ben, on va être dans la neige, j'ai l'impression. Il va faire froid. Après un pays où tout était désolé, où il faisait chaud, où il y avait du sable partout... Nous allons partir maintenant dans la neige, dans le froid glacial. Ce qui manque un peu dans le jeu, des fois, c'est des transitions entre chaque chapitre. Oh, mais il fait quoi, lui? Il y a un petit garçon qui frappe sur son ventre. On dirait Alex quand il était petit. C'est moi, c'est le Kage. Sauf que j'avais des cheveux. Maintenant, j'en ai plus. Oh, j'adore ses oreilles. Moi aussi, je sais le faire. Dans chaque chapitre, on a un personnage intrigant qui nous parle, qui nous aide pendant le voyage. Oh bah c'est un petit bout d'œil, il s'est retransformé en pierre. Incroyable ça. Attends, moi je débarque comme ça, c'est quoi ce délire là? C'est quoi ce départ de chapitre 3 là? Allez. Kage Bunshin. Chemin de la colline enneigée. C'est ainsi que va continuer notre pérégrination. Et ils font quoi tout cela là? Oula. Ah bah ça commence bien. Tout le monde disparaît. Oula, un singe. Ouh, il m'a vu. Singe contre singe. C'est mon fruit à moi. C'est le fruit de l'immortalité. Allez, des nouveaux ennemis, une nouvelle zone. Non, c'est pas un boss. Ah, il frappe quand il est mort, il frappe encore quand il est mort. Le chef macaque. Ah bah tiens, singe contre singe, qui va gagner? Il est là le premier boss du chapitre. Oh merde, je l'ai pas vu venir celle-là.
vache, il est énervé. Il a pris cher. Après le boss qu'on a battu à la fin du chapitre 2. Allez, on le fait tomber. Elle est pas mal cet esprit, il est quand même pas mal de faire tomber les ennemis là. Hop. Et voilà, du premier coup, first try. Premier ennemi du chapitre 3, vaincu. Pourquoi il a disparu comme ça? Oh, il fait... Regardez-moi cet effet sur la neige avec le bâton, c'est pas cool ça, franchement. Moi, je trouve ça génial. Il est incroyable. Il est incroyable. Et regardez-moi, il y a même des effets de... Ces vêtements-là, ils sont un petit peu enneigés. Ça, c'est cool, ça. Putain, il est bien stylé. Hein. Franchement, les décors et tout, c'est super bien travaillé. C'est super stylé. C'est trop bien fait. Trop beau. Oui, il aura une tête bizarre, c'est obligé. Ah, je le savais. Comment ça à présent vol? Attends, ah non, je peux pas le diriger. Je peux pas le diriger. Non, je sais, à la gauche, à droite, en bas, en haut. Il se passe rien. Et il m'embarque directement, ouais. Je suis une petite chauve-souris, c'est trop mignon. Après l'abeille dans le chapitre 1, la chauve-souris, Batman, dans le chapitre 3. Mais où est-ce qu'il m'emmène, lui? Ah, c'est magnifique, ouais. On serait dans God of War Ragnarok, ouais. Le nombre d'ennemis, de boss et tout, ils sont pas foutus de notre gueule, hein, ça c'est clair. Ah oui, là, c'est beaucoup plus classique en termes d'armure, là. À part le bras gauche, est quand même bien, bien protégé, quand même. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vers le lac ou est-ce que je vais me balader un petit peu? Peut-être qu'on va tomber sur Kratos. Non, mais regardez-moi ça, les décors, moi j'adore. J'adore la montagne, déjà. Ah, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Allez, c'est parti. La maison sur le lac. Un lac gelé. Qu'est-ce qui nous attend derrière cette porte?
Ah, cinématique. Oula, il y a une bête sous l'eau. Les enfants qui rigolent, c'est dangereux. Surtout avec des oreilles comme ça. Et avec le crâne de Krilin. Le dragon blanc aux yeux bleus. Oïe oïe oïe. Ouah, c'est trop fort, trop bien fait. Le temple disparaît. Le petit garçon est parti. Ça va être chaud. Voilà. Quan Jin Long. Merde. Il m'a chopé, ça commence bien. Oh putain, la vie qui m'a retiré, la vache. Je connais pas ses attaques, c'est pas facile. Ah putain, sa queue elle est coincée. Faut taper. Putain, j'ai raté. D'abord on observe. Ok, on se prend des coups. Waouh. Eh oui, un dragon qui souffle pas. Du feu, de la glace, c'est pas un dragon, ouais. Ah putain, à chaque fois j'oublie sa queue là. Ok, ça là je l'ai évité. Putain, quand est-ce qu'on peut le toucher lui, c'est abusé ouais. Et merde, j'ai plus de potions. Allez, viens là, mon gars. Ah ben voilà, tout ça pour ça. Tout ça pour le rater, pour crever. Je lui ai retiré qu'un petit bout de vie, ouais. Et comment ça se fait que je suis pas mort, là? Pourquoi j'étais pas mort? Bon bref, je suis mort quand même. Allez, on y va. Voilà. Allez, voilà, il tombe parfait. Thank you.
va s'éloigner. Ah, ça lui fait tous ces attaques éclairs à la con là. Et on a tout évité, parfait. Et on va faire ça à chaque fois là. C'est de la triche mon gars. Ça va, ça dure moins longtemps. Elle tombe ma couille. Allez, je prends un cacheton et je le termine. Allez, je le termine, il faut le terminer. J'ai plus de vie. Quan Jinglong, c'est bon, je l'ai battu. 6e, 7e try, je sais pas trop. Mais on l'a battu. Et on tombe dans les profondeurs de la Blue Planet. Il est encore là, lui. Non ! C'était un rêve, un cauchemar. Où est-ce que je me réveille ? Dans les cachots de Morghul. Royaume de la pagode ou pagode. Et on a notre bâton, corne du nuage étoilé. Ok, et maintenant on se trouve dans les cachots, ouais. Mais on va sortir de là. Ouvrir. Les portes sont ouvertes. Ouais, il était sympathique ce boss. Je pensais pas qu'il aurait été au début. Reste où tu es, l'étranger. Ça, c'est une quête secondaire, à mon avis. Ou pour plus tard. Ça commence bien. Putain, il disparaît, mais il est où? Oh, il me met un coup de pied, le salaud, là. Ouah, ça, c'est des sacrés ennemis, quand même. Il m'éclate ma vie, ouais. Ça, franchement, ça ressemble à un ennemi dans Elden Ring. Ah, putain, puis il a les yeux rouges, ouais. Il y en a d'autres ou c'est quoi, là? Pourquoi mes yeux, ils sont rouges comme ça? Il se passe quoi, là? Allez, on est de retour là, et cette fois-ci, on évite de tomber comme un con. Ou de mourir, parce que j'ai plus de vie aussi.
l'hôtel, allez, l'hôtel, 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 l'hôtel. Allez, on va pouvoir rentrer dans ce bâtiment-là, je sais pas ce qui nous attend. Mais c'est sûr, ça va être sûrement un boss. Ça y est, on vient de finir une zone complètement horrible. Dans une prison, on a dû regrimper, il fallait faire tout le tour et tout, c'était un truc de merde, faut le dire. C'était chiant, j'aimais pas du tout les décors, c'était fade. Il en a quoi là? Dans quoi on arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Le capitaine voit sage. Eh ben ça fait longtemps qu'on n'a pas affronté un boss, bordel. Le surveillant de la prison, comme Magellan dans One Piece. Alors ça donne quoi ça? On a des bêtes de plus en plus chelou. Pour l'instant ça se passe bien, on voit pas trop ce qu'il fait au final. On peut taper que sur une patte. Allez, on prend pas de risque, on prend les potions. Bon, il fait pas beaucoup de dégâts. Ok, il crie. Allez, on lui a fait plus la moitié. Encore pas mal de vie. Wow, le bordel. Allez, on court, on se barre.
potion. Allez, je prends des pilules pour la défense. Pour essayer de me prendre un peu moins de dégâts, j'ai plus de vie. Non, je suis mort, putain, je suis dégoûté. Je voulais l'immobiliser puis le finir, j'ai raté, c'est abusé. Putain, je suis mort. Alors que j'aurais dû le battre, il est trop moche en plus. Ah, c'est bon, il retombe. Et normalement, ça devrait passer là. Allez, on y va. Beaucoup de vie, mon pote. Et voilà, le capitaine voit sage, au bout de la troisième fois, on l'a eu. On est mort que deux fois. Ça, il était pas trop difficile. Largement faisable. Achève-le, vas-y. Qu'est-ce qu'on récupère? Quelle est donc cette beauté? Niveau 51. Attention, on va le prendre, on va le capturer, je sais pas ce que c'est exactement. Il nous a enfermé et nous on l'enferme après qui nous a enfermé. Esprit du capitaine Sagevoix, objet important. Un faisceau de volonté unique qui ne peut être exploité. Pourquoi ne pas le recueillir et exploiter son potentiel ailleurs? Ok. Allez, en tout cas ça fait un boss de plus de battu au chapitre 3. C'est bon ça. Et qu'est-ce qu'on a de beau dans le coffre? Montre-moi. Ah non, c'est méditer. Eh ben on va méditer. Froid, simplicité, fraîcheur, glace, montagne, tous ces petits mots qui nous renforcent notre sagesse, notre espoir et nos convictions. La méditation est terminée. Étincelle. Je gravis les marches. Écoutez-moi ces bruitages. Ces bruits de pas. Ah, la disposition du niveau dans le chapitre 3, elle est tellement différente par rapport aux autres. Alors, un temple. Oula, ça sent encore le boss derrière ça. Ah bah c'est lui qui fait du bruit. Ah bah alors voilà lui. Qu'est-ce qu'il essaye de faire là? Ah, je peux pas rentrer dedans, dommage. Allez, le chef macaque, round 2. Ah,
Allez, il a pris cher le copain. Alors, est-ce qu'on va le battre définitivement? Allez, j'invoque les amis. Par contre, ça bouffe énormément de mana. Oh, il est tombé, on en profite. Il a pas tombé. Oh, il y a un bug. Il y a un bug sur les animations de mes alliés là. Il y a un bug aussi sur l'ennemi, j'ai l'impression. Il est nul à chier. On l'enchaîne, il peut rien faire. Termine. Voilà, ça c'est fait. First try. Il a un katana, je le veux. Donne-le-moi. Et il disparaît encore une fois.那怪黑毛赤尻面相奸猾可不好捉你虽有些粗浅修为但这极为之地天寒地冻胡乱清造性命难保今日既有缘再见我便教给你一招防身御寒的小神通。 Le mur de flamme. Je veux l'apprendre. Je ne suis pas un homme, je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Je suis 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 un homme. Un sort défensif. Alors, ça s'appelle Cercle de Feu, ça porte bien son nom. Dessiner un cercle de feu avec le bâton pour une guérison rapide à l'intérieur. Et personne ne pourra m'approcher. Et encore une montagne. Plein de montagnes dans la montagne. La montagne, ça vous gagne. Alors, qu'est-ce qui m'attend là? Un dragon, une sorte de cheval. Un singe. On a combattu deux fois. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a là-bas entre les deux montagnes? Qu'est-ce que c'est que ça? De loin comme ça, on aurait dit un bouclier, mais c'est pas ça. Ah, on va glisser là peut-être? Ouais. Un singe avec plein de poils. Ça attrape pas trop froid normalement. Oula. Yuan帅还是不肯归顺的，再忍一时三刻，他是就要化为门形的。好妹妹，里面凉快的很呐，就等你进来与我一起装修了。 元帅说笑，你若放下执念，我自然会选师傅放了你。到时便可同修大道。哎，我可笑说不行。看来那老贼得了师兄的玩意儿，果然功力大涨，连你这冬天小官都被训得服服帖帖。不过听这动静，天命人已赢了他家的兄弟。好妹妹。 估着这金疙瘩要等不到你师傅来开喽。这金挠是祖师爷的法宝，小小天命人如何破得了？Éboulement, avalanche. Oula.
que c'est que ça encore. Ça ressemble à un dragon? Non? Une sorte de tortue, un dragon? Avec une carapace dans le dos, souvent c'est plutôt une tortue. Le général tortue. Étoile Kangjin. Ah, direct la combat là? Ah ouais, je suis grillé direct. L'étoile Kangjin. Eh ben, nouveau boss directement. Par contre, j'ai plus de santé, j'ai plus rien, c'est abusé. Ah, c'est le dragon au final. Enfin, en tout cas, elle se transforme en dragon. Oh merde. Ah putain, je suis mort. Ah ouais, j'avais pas de sort, j'avais pas de vie, j'avais rien là. Eh ben, on va se la refaire, y'a pas de problème. On est reparti. Ah déjà? Allez hop, on attend un peu. Ah, pas assez rapide, dommage. Quoi, ça encore là? Non, elle m'a attrapé. Ah, ça va. Je me transforme, j'ai plus de solution de toute façon. Voilà, vache. Ah merde, putain, ça a explosé après, c'est abusé. Allez, donne tout ce que tu peux. Vas-y. Allez, allez. Allez, tu peux l'avoir. Oh putain, elle a peu de vie. Oh putain, ça va être dur. Allez. Oui, c'est bon, je l'ai eu. L'étoile Kangjin battue. Au bout de la troisième fois.
Boss sympathique encore. Vraiment sympa. Un singe. Reste un singe, bien sûr. Et bah c'est ce que nous verrons. Et tous les ennemis dans ce chapitre se barrent à chaque fois. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Oh putain, on s'inquiète. Oh putain, ça y est, de l'action de fou. Ok. Est-ce que le dragon est battu? Est-ce que ça a suffi? Qu'est-ce qu'on a libéré? Ou un râteau? On va faire de l'agriculture. On va aller raser les champs. T'as le singe, il a pris un coup de soleil. Ah, oh, c'est un petit chien tout. Ok, très excellent. Oh merde. C'est dommage que le personnage il parle pas. Le premier sur Son Wukong au tout début il parlait. Ah, la mise en scène excellente. Je m'y attendais pas. Ah non, c'est un facochère. Encore ? Un sanglier. Avec les yeux rouges là. On sait pas ce qu'il a consommé dans sa jarre juste avant. Mais il a les yeux bien rouges. Encore un muet. Ah, j'ai pas le choix, je suis obligé de le suivre. Mince, je voulais regarder le dragon et voir un peu aux alentours. Donc c'est ça, on est en quête pour amener Wukong. Ah, ça y est, c'est bon.